La souris a disparu, les potes. C'est ce qui compte, les gars. Parce que ça fait 2 épisodes que je laisse la souris au milieu de l'écran. Pas tout l'épisode, heureusement, mais bon. Wouah, j'ai une nouvelle manette, les gars. J'ai une manette custom, les gars. Custom GTA 5 et tout, elle est trop belle. Je l'ai postée sur Discord pour ceux qui iront la voir dans l'image. Elle est trop magnifique. C'est une manette custom faite par un gars. Fait du bon boulot. C'est du G. Il a marqué GTA 5. Il a remplacé toutes les touches par des touches en or. Elle est bleue et or. Avec sur le pavé tactile tous les personnages de GTA 5 avec le logo GTA 5. Elle est exceptionnelle et en ressenti, les gars, elle est incroyable. La texture de la manette qu'il a mise, qu'il a changé toutes les coques et tout, c'est incroyable. Par contre, je vais devoir m'y habituer un petit peu, même si ça reste une manette console. Il va falloir s'habituer. Et les gars, dans cet épisode, je vous le dis la vérité, je sais pas ce qu'on va faire. Ah si, bah si, on va faire une sur mon yacht, ça c'est sûr. Mais le truc, c'est que je n'ai pas envie de farm. Bien que je n'ai pas d'argent, bon, vous avez vu, j'ai reçu les 120 000 là, de la grosse bounty là, qu'on est allé chercher. Oui, ben, madame, mademoiselle, j'ai envie de dire que vous êtes charmante, que vous êtes ravissante, que vous êtes... Voilà. Alière. Je sais pas ce qu'on va... See you later, yes. Je sais pas ce qu'on va faire, les gars. Je crois qu'on va zoner dans Los Santos. Je vais passer voir un coup chez Simeon. Je crois que j'avais repéré une voiture. On va aller voir le garage GTA+. On va peut-être troller, je sais pas. À l'heure où j'enregistre, les gars, on est mercredi. C'est le deuxième épisode que je fais de la journée. Que demain, j'ai un rendez-vous. Bon, je suis où, là? Allez, on prend l'hélico. Ah, oh, ça fait bizarre. Le bouton start, il est tout fin. Ok, je vais m'habituer. C'est pas un souci. Au moins, t'appuies pas dessus sans faire exprès. Un rouge et noir. Nanana. Un rouge et noir, nanana. Un rouge et noir. Elle est. Ah ouais. Semaine éclatée. Moi, GTA Plus éclaté. Business qui pas rentable éclaté. Tout éclaté. Heureusement qu'il y a des nouveaux véhicules pour nous mettre du baume au cœur. Hein. Ouais, ouais. Oh, il y a un mec là. Il fait sa vente de bunker. Il a l'air d'être buggette. Non, vas-y. Non, je suis pas. J'en ai rien à foutre de ceux qui me diront que je suis cancer si je le pète. Mais j'ai pas envie de le péter. J'ai pas envie de le faire chier. J'ai juste envie de chiller. LR. Si je me faisais une nouvelle tenue. Non, flemme. Oh, si, on va se faire une tenue. On va se faire une tenue. On fait un demi-tour propre. Regarde-moi comme c'est beau la manœuvre que je viens de faire. Bon, dommage que l'atterrissage soit pas parfait. Ouais, je m'applique pas. Oh, la PNJ. Oh, la PNJ. Allez, on peut sortir. Je vais me faire une tenue Paradise. Je cherche des musiques Paradise, les gars. Je crois que... Si vous... Non. J'allais dire une connerie, là. J'allais vous envoyer chercher des musiques Paradise à ma place. Mais c'est pas votre rôle. C'est à moi de chercher les musiques. Mais j'en trouve pas beaucoup des biens qui font Paradise, tu vois. Ouais. Alors, on va aller dans les t-shirts. On va se faire une nouvelle tenue. Il nous faut des cocotiers, des palmiers. Ouais, bof. Ouais, bof. Oh, je suis pas enjaillé parce que je suis en train de voir. Je suis pas enjaillé. Je trouve pas de... On n'est pas dans le thème Paradise, tu vois. Là, on est en train de se perdre un peu. Ah, là, il y a peut-être des trucs. Non, un truc qui fasse rêver, frérot. Un t-shirt qui représente le dream de GTA. Bon, vas-y, je vais pas passer 15 ans là-dessus. Il me semble. Ça, c'est les tenues spéciales d'Emonia. Mais non. Lui, c'est basketball. Bon, bah là, je trouve pas mon bonheur. Hein. S'il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur, les gars. Moi, je vais pas forcer le destin. De toute façon, je suis quelqu'un qui aime pas forcer le destin. Faut prendre la vie comme elle vient, les gars. Ouais, je suis en mode philosophe aujourd'hui. Alors, pose un problème. Putain, mais il n'y a pas des tenues paradisiaques. Luxe, ça va être des trucs... Non, mais c'est bien, ça fait très luxe, mais putain. Bah, je suis super déçu de ce que je suis en train de voir, là. Suivi de carrière, peut-être. Non. Non, mais c'est éclaté, frérot. C'est éclaté, bon. J'ai dû rater, c'est pas possible, regarde. Là, il y a des t-shirts avec des couleurs un peu et tout. Attends, je crois qu'il faut que je passe dans mon appart, les gars. Courez, ça vous fera pas de mal. Oh, c'est horrible de dire ça. C'est horrible. C'est horrible, c'est pas de leur faute. Moi-même, je me confonds en excuses, les gars. Je devrais dire, ne courez pas, mangez plus. Plus de bonus, bon. Allez, on va passer dans notre appart. L'appart qui est là. Voilà, la sensation de la manette, les gars. Incroyable. Pourquoi tu me suis arrêté là? Il est où mon immeuble? Ah, il est là. Ouais, parce que cette tenue, elle est bien, mais je suis sûr que je peux faire mieux, les gars. Du rose, du bleu, des palmiers, ça va être stylé. Si je vais dans mon appart, les gars, c'est que j'ai repéré un t-shirt que j'ai débloqué. Et je crois que le t-shirt, il est stylé. Il est blanc avec des palmiers roses et tout.
Donc oui, j'ai que ça à foutre dans cet épisode, c'est un épisode chillax. Après, y en a marre de courir après de l'argent et tout. Surtout quand Rockstar nous met des bâtons dans les roues, tu vois. Moi, j'ai toujours envie de farmer, mais putain, quand y a un business qui se farme, quoi. Là, y a que les business passifs qui sont intéressants. Genre l'acide, la boîte et tout ça, quoi. Ou sinon, t'as toujours Caillon Péricon. Caillon Péricon. Alors, on va aller dans les hauts, les t-shirts. Là, je crois que j'ai dû débloquer des trucs stylés. Il suffit de bien chercher. Ça doit être indiqué quelque part dans le menu déroulé. J'ai dit de la merde. Ah, Color Vert Festival. C'est pas ça que j'avais vu. Chemise. Ah, c'est une chemise. J'avais pas débloqué un t-shirt. Ah non. Ah. Oh, celui-là, il fait rêver, les gars. Au spéciaux, t'as le Solomon aussi. Le Kiflom que j'ai débloqué. Vous tapez T-shirt Kiflom sur Google, vous trouverez ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai trouvé. Alors, c'est dans peignoir, histoire de course, veste grottie. Jour de l'indépendance, je m'en bats les steaks. Haute garde arène, label. Donc, pour moi, c'est au spéciaux, marque. Vespucci Beach. Là, on arrive vers un truc pas mal. On va retourner dans une boutique de fringues. Non, c'est pas là, frérot. Mauvaise porte. Alors, on va passer à la boîte vite fait, les gars. Remettre la popularité à fond. Pour ça, on va activer le mode passif. C'est vrai que c'est Bouya qui faisait la réflexion. Que vous savez, l'application, c'est bien. Mais c'est vrai que on est obligé. Alors, oui, là, je récupère. Mais on est quand même obligé de passer à la boîte, de passer à la casse pour ramener des voitures, etc. Donc, c'est vrai que c'est utile. Mais de toute manière, tu vas quand même être obligé de passer dans tes business. Donc, alors, on a un gars dans les toilettes. Impeccable. C'est des trucs, les gars, que j'aimerais... j'aimerais vous... Bah, je vais le skipper, hein, au pire. Non, mais c'est des trucs, en fait, qui sont rébarbatifs que t'es obligé de faire. Et ça, c'est pénible, parce que dans les vidéos, j'essaye. Malgré les critiques... Les méchants commentaires. Non, mais j'essaye de varier le plaisir dans GTA Online, de pas toujours faire la même chose. Mais le jeu nous force. Le jeu nous force à repasser régulièrement la boîte, etc. Bah, tu vois, là, j'ai pas besoin de vider le coffre. C'est très con ce que je fais. Allez, sortons de là, direction boutique de fringues. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ramasse les coffres. Business passif. Chillax. Allez, on met les thunes sur le compte bancaire. Et tant pis, les gars, si l'argent rentre moins vite. Telle est la vie, les gars. Il faut accepter notre destin. Rockstar a décidé de nous mettre des bâtons dans les roues pour farmer. De pas nous aider, en tout cas, à faire de l'argent. Eh ben, on va accepter. On aura moins d'argent. Eh ben, on achètera des véhicules moins chers. On fera des trucs qui coûtent moins cher. De toute manière, on est déjà riche par nos propriétés. Oh, il est vraiment stylé, ce t-shirt. Dommage que ça va pas avec le reste de ma tenue. Alors, gérer les véhicules, qu'est-ce qu'on va demander? Un véhicule qui fait Paradise. Minus, j'adore Minus, la jaune. Ouais, oh, j'abuse, franchement. J'ai demandé Minus, les gars, pour faire 30 mètres à pied. La boutique étant juste là, déchet que je suis. What? Un mur invisible? T'as vu ça? Regarde. Un mur invisible. What? Ah, c'est la première fois que je vois ça, putain. Ah ouais, qu'est-ce qui a pu spawn ici, putain? Ah, c'est bizarre. Bon. Dans ma inus, j'ai mal à la nu... non, pardon. Chercher à faire des rimes. Dommage, il n'y a pas plus de boutiques. Et moi, je suis un kéké, tu vois, je kifferais trop qu'il y ait plusieurs styles de boutiques. Que les boutiques, elles aient vraiment des fringues différentes. Alors, juste, ça serait bien que je retrouve où est ce t-shirt. Ah, c'est dans Haut Spéciaux, marque. Ah, je l'avais déjà là, j'étais pas obligé de repasser à ma boutique, en fait. Ok, frérot. Bon, on va tout de suite passer aux bijoux. Merde, les bijoux, on m'avait dit que c'était où? Ah oui, c'est là. Pas instinctif du tout, d'ailleurs. Voilà, en argent. Oh putain, ça coûte cher. En platine. Le chien, ouais, j'aime bien. Ouais. Je mets en platine. Platine, je mets tout en platine. Et une montre. Putain, ça coûte cher. Platine. Non, non, elle est moche. Enfin, c'est pas à mon goût. Putain, faut que je répète à chaque fois. C'est... Oh, celle-là, elle est stylée. Platine. Voilà, tu vois. Les casquettes. Là, frérot, on se croit en hiver. Qu'est-ce que je peux mettre comme chapeau? Ne pas mettre de chapeau, peut-être. C'est peut-être une bonne option. On va aller chez le coupe-tif aussi. Ah là, là, ça commence à faire un peu plus paradise. Mes lunettes, elles sont où? Too much. C'est des lunettes de femme, ça, putain. Il y a des trucs nouveaux là-dedans, non? C'est pas nouveau, ça? C'est un peu too much pour moi. C'est too much. Mais l'idée est bonne, Rockstar. Je vous donne un bon point. Il n'y a pas des lunettes d'aviateur rosées. Vert marron. Oh, putain, je vais peut-être mettre ces... Je vais peut-être mettre les nouvelles... Oh, je kiffe. Allez, ça fait too much. Ça fait USA, tu vois. Ça fait trop de trop. Par contre, va faire changer la coupe de cheveux. Est-ce que je peux mettre un petit blouson? Ou ça va faire... Ouais, non.
Attends, et les chemises? Peut-être une chemise. Je scanne tout avec mon regard bionique, les gars, vous inquiétez pas, je vois tout. Ouais, non, c'est pas la folie. Hein. Ça fait vraiment paradise. Hein. Ça fait plus paradise, d'ailleurs, que mon t-shirt. Oh. Sauf qu'elle est fermée, celle-là, donc ça le fait pas. Putain, il y a des belles chemises, hein. Celle-là, elle est vraiment magnifique, hein. Putain, j'achète. Ah, il y avait 100 manches. Ah ouais, non, ça fait... Non, pardon. Je vais dire un truc, mais c'est pas bien. Ça fait kéké, tu sais, ça fait un peu kéké musculation, tu vois. Bon, c'est pas grave, les gars, chacun fait ce qu'il veut. Mais tu sais, quand tu travailles à la salle et que t'as des gros bras, t'aimes bien les montrer, généralement. Voilà, ça fait un peu ça, je trouve. J'aime pas trop, moi, perso. Parce que j'ai des bras de fragile, donc j'ai rien à montrer. Telle est la vie. Bon, bah voilà, on a trouvé notre petit haut, nos lunettes. Ça serait bien que je trouve un pantalon adapté. Putain, ça va être galère, là, encore. Un short de sport. Ah, faut que je trouve un truc assorti, frérot. Ah non, là, c'est... On dirait, on voit limite une couille qui dépasse, quoi. C'est malaisant. Pantalon, non. Ça va être dans les shorts. Allez, mets-moi un short bleu. Ou rose, non, bleu. Ça fait paradise. Oh, short de bain. Ah, c'est un short de bain, dommage. Oh, ça me fait une sacrée bosse, là. Hein. Ça impressionnera le peuple. Ah, il y a un truc, le chien. Short de bain bleu. Ouais, je suis pas emballé par ce que je vois, là. Quoique, short de bain, ça peut être pas mal. J'aime bien celui-là, le chien, là. Avec une petite paire de tongs, les gars. Comme ça, quand je vais être sur mon yacht, je vais avoir la classe à Dallas. Ton vert rectangle, regarde comment elles vont parfaitement avec la chemise. J'achète. Et pourquoi mon bijou, il est parti, là, le chien, il passe pas avec la chemise? Sérieux, je l'ai acheté pour rien? Ah, je l'ai acheté pour rien, putain, je suis deg. Et la montre non plus? C'est quoi l'excuse, Rockstar? Pourquoi c'est pas compatible? Non, ça, on va éviter, on dirait je vais tourner dans... Non, je peux pas le dire, Peggy 18, Peggy 12. Bref, ça faisait truc en cuir, quoi, vous avez compris, quoi. Allez, je suis pas mal, là. Manque plus que changer de couleur de cheveux, de coupe de cheveux. C'est chillax, c'est pas... Voilà. T'imagines les fights PVP en tong? Comment le mec se sentira humilié? Les gars, ma voiture a disparu. Je suis sur ma voiture invisible. Ok, la session est bugged. Ok. Oh merde, j'ai oublié de sauvegarder la tenue. Vas-y, on y va. C'est bien, putain, on peut sauvegarder 20 tenues. Paradise. Comment il fait pour deviner? Ah bah oui, c'est parce que je l'ai tapé la dernière fois. Ok, j'ai tapé pour le yacht. Alors, est-ce qu'on irait pas chez le coupe-tif? Dans une autre session, puisque celle-là est full bugged. LR. Putain, faut reprendre l'hélico pour aller chez le coiffeur. Ma parole, ça va être l'épisode le plus... Un des épisodes les plus chillax de ma chaîne YouTube depuis Soum Soum. Avec celui, vous savez, celui des Mamba. Vous avez fait le tour de la map en Mamba. D'ailleurs, on m'avait reproché. Ouais, c'est pas normal. Tu fais que de rouler en Mamba. L'épisode, c'est pas assez. Nanani, nanana. Un peu de chillax, un petit peu. Je ne sais si on vit de quoi, non? On est 12. Je crois que je vais repeindre ma Inus, les gars. Olé. Olé. Je m'en fous, on paye pas la mutuelle. Par contre, tu veux bien te mettre à plat? Voilà, s'il te plaît. Merci. Pourquoi tu sors de ce côté? Comment ça va les faire rager, les gars, quand on va faire du PVP dans Soum Soum Paradise avec cette tenue? Ça fait vraiment tenue de Jean qui vient de... Ça fait Jean-Claude qui vient de lancer GTA Online, tu vois. Quand on va éclater des mecs moyens, là... quelle coupe de cheveux? Oh non, franchement, c'est vrai que les cheveux à mon personnage, ça lui va pas. Nous, c'est la couleur, peut-être qu'on peut changer. C'est too much. Pourquoi pas les cheveux bleus? Est-ce qu'il y a du bleu? Oh oui, il y a du bleu. Ouais, il est beau, ce bleu. Ça fait... Je serai camouflé, les gars, avec cette couleur quand je serai dans l'eau. Là, il y aura juste ma tête bleue qui dépassera dans l'océan bleu. Lentille, on va changer ça. Extraterrestre, non, ça va. C'est pas trop le thème de la vidéo. Bleu clair ou bleu marine? Bleu clair, bleu marine, bleu clair. Ouais, je mettrai bleu clair. Permet de faire une petite cassure, un petit contraste. Voilà, les gars. Ouais, j'ai mis des lentilles alors que j'ai des lunettes, mais... Est-ce que je garde les lunettes ou pas? Je sais pas. Bon. Oh, ça fait bizarre. J'ai l'impression que c'est un nouveau jeu à chaque fois que je change de tenue. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, si on irait pas chillax un petit peu au casino, histoire de gagner le jackpot, peut-être le gros lot, RD Mistral. Allez, road to the casino. On va aller faire coucou vite fait à RD Mistral. On va passer au-dessus de lui. Eh ben non. Non, il fait sa life. C'est bien. J'aime ça quand les membres du crew font leur life. LR. Bon, par contre, on va pas pouvoir tourner la roue parce que je l'ai tournée hier. D'ailleurs, j'ai gagné 40 000 $. Moi, j'ai de l'argent et j'en suis fier. Il me reste que la suite du casino à acheter dans les trucs méga luxueux. J'ai tous les bâtiments, hormis le seul bâtiment que j'ai pas, c'est les faux papiers, les gars. Alors, on va retirer un peu de jetons. 20 000. Moi, ce que j'adore, c'est les machines à sous, le poker et tout, ça m'a fatigué.
Les machines à sous, c'est là où tu peux gagner le plus d'argent, même si c'est là où t'en perds le plus. Petite mise de $500, c'est juste pour chauffer la machine, diamant. Ok, mise max. Maintenant, grosse mise. C'est parti les petits potes, 20 000 jetons, pas plus. Ok, de la merde. Oh là là, j'aimerais tellement un jour gagner en vidéo un jackpot. Oh, oh, dommage. 50 000, ah, dommage. 3 diamants, 1 diamant, ok. De la merde, de la merde. Oh, 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 dommage. Putain, 25 000. Ouais, 25 000. Oh, dommage, je suis passé à deux doigts, les gars. Bon, bah, c'est déjà fini. Bon, bah, dommage que je peux pas retirer plus d'argent en jetons. Putain, dommage, les trois diamants, là, 500 000. 7. Cloche, merde, ok. Mise simple, dernière mise, $500. Et que de la merde. Bon, bah, ça aurait été vite fait, le casino. Hein. Je peux pas jouer plus. Je crois qu'on peut pas retirer des jetons toutes les 48 minutes. Je crois qu'on peut retirer des jetons. Oh, c'est éclaté. Ça veut dire que j'ai joué 2 minutes. Je peux même pas jouer plus, quoi. C'est pas logique, hein. Appelle ma... C'est quoi, ça, Junk Energy? What? On a un numéro Junk Energy, maintenant. Je l'avais jamais vu avant. Alors, on va faire un peu de tuning. Atelier auto. Alors, j'hésite entre... Ah non, la Inus. Ouais, les gars, la Gotley Interceptor, c'est le véhicule de police que j'ai acheté. Bon, regardez, elle est belle en jaune. Hein. Si j'étais riche, les gars, j'en achèterais 2-3 des Inus. Comme ça, je pourrais en faire plusieurs, tu vois. De différentes coloris, différentes couleurs. Mais là, malheureusement, je suis en mode un peu pauvre. Donc, je vais changer. Je vais faire un truc coloré, je pense, sur celle-là. Un truc un peu paradise. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Qu'est-ce qu'il fait Ah, RD Mistral, on dirait qu'il fait le business des bounties. C'est-à-dire, ça en a tout l'air. Je peux faire un super bleu. Attends, je peux faire un super bleu sur cette caisse. Vous avez vu aussi maintenant dans le GTA+, dans le garage GTA+, on peut tuner nos véhicules directement maintenant. Mais avec du recul, moi, le garage GTA+, je le trouve trop grand. Je le trouve trop vaste. C'est bien pour les méga collectionneurs. Mais pour les mecs comme moi qui n'ont pas pour projet d'avoir 450 voitures dans le jeu, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Alors, j'hésite. Ça fait pas paradise, ça. Ça fait trop chimique. Non, je suis pas emballé. Par contre, dans métallisé, on peut aller chercher un beau bleu. Un bleu ultra. Un bleu ultra comme ça. Avec, en couleur secondaire, un beau rose. Rose vif. Avec, en motif. Oh! Éclat bleu. Comment il rend bien? Oh! 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 Oh, il rend pas mal. Je la préfère avec éclat bleu. Allez, éclat bleu, je mets avec des roues couleur des jantes. Rose vif. Ouais, elle est chimique, hein. Ça fait peut-être un peu too much. Oh. Perle mauve clair. Oh. Oh, je mets pour 0$. Avec un petit néon. Éclairage. Couleur néon. Rose vif. Rose vif. Allez, on sort. Voilà. Là, elle fait déjà un peu plus paradise. T'as compris? On est un peu plus dans le... Dans le délire, en jaune, elle était magnifique. Hein. Oh ouais, putain, avec la plaque Paradise. Ah, elle fait vraiment... Oh, faut que je fasse une vignette, ma parole. Oh là là. Regardez, c'est quoi cette caisse dégueulasse, là? Touche pas ma caisse, frérot, parce que là, tu vas me tendre. Elle est pas Paradise, ta caisse, frérot. C'est quoi, c'est... Ah, c'est la Connoissanti. Elle est pas Paradise. Bon, désolé, RD. Je vais devoir te béniser. Elle est pas Paradise, ta caisse. Détruit, nul à chier, nul à yesh. Moi, j'autorise que du paradise maintenant, les gars. Dans le crew, je vais les prévenir. Va falloir faire des... Pensez aux cocotiers, aux palmiers, à l'océan, les gars. Oh, il y a une MK2. Chiche, elle fait demi-tour. Raji, vas-y, fais demi-tour, fais demi-tour. Fais demi-tour. Merde. Ah, dommage. RD qui fait la gueule, sur, je suis sûr, derrière son écran, parce que je lui ai détruit sa caisse. Oh, je me ferais bien une petite course de super sportive, là. On a assez chillé, je pense. Je pense qu'on peut appeler, racheter des matières premières au moins. Faire un indice de recherche. Nous, on va demander en véhicule imposant de la Baudacide. Juste pour checker, les gars. Il faut farmer un petit peu quand même. Ça nous ferait péter le million si on a une vente full. Ça serait avec plaisir. D'ailleurs, la moto, on va la custom aussi. On va la mettre toujours palmier, cocotier, ambiance... Oh, 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 oh. Oh, on a une vente full, les gars. Let's go. Comme ça, on pète le million, on se fait plaisir, on a chillé, on a dépensé un petit peu, mais on remonte quand même les sous. C'est le juste... c'est le juste minimum. Minimum, pardon.
entre dépenser son argent et en gagner. Il a quitté la partie Ushias. Et ben sûrement pour aller aux chiottes. Oh merde, on a Raji. Attends, déjà santé à fond. C'est quoi la vente? C'est une vente en un point. Ok, vas-y, t'es quoi, je me laisse sur le radar au cas où il y aura un petit curieux. J'ai hâte de faire des livraisons de pizza. Putain, j'espère qu'ils vont ajouter ça la semaine prochaine. Allez, on se casse de là. Nous allâmes dans le tunnel. Déconne pas Mistral, hein, me bute pas frérot. Et là on peut claquer une petite orga fantôme avec le GTA Plus qui me reste, comme je disais, jusqu'au 7 juillet. On prend zéro risque. Après on va aller custom la moto d'acide et je pense que ce sera tout pour cet épisode. Oh merde, ah, j'ai cru qu'il y avait un joueur qui voulait rentrer dans le tunnel aussi. On va faire une belle moto d'acide. Ah, l'acide, quel business en or. Et dire que je voulais plus le faire dans business class, mais c'est un business en or frérot. C'est la joie d'avoir des ventes full de 500 000. Tu te rends compte, ça correspond à 12 putains de cibles de bounty du bureau des bounty. Je vais l'appeler comme ça, c'est le bureau des bounty. Tu te rends compte, 12 cibles, 12 missions que tu dois faire. Bon, l'acide, c'est certes, c'est 3 heures, tu dois racheter des matières premières, mais même si t'enlèves les matières premières, ça fera toujours beaucoup plus d'argent que... Ouais, il manque un peu de patate. La moto de livraison, le casque aussi est dégueulasse. Attention, là, faut pas passer devant l'hélico, sinon ça nous remet les flics. 1 minute 22 d'Orga Fantôme. Ouais, le Red Joe, il se dirige pile poil vers moi. I am no number. Tu fais flipper, frérot. Et nous voilà, nous arrivâmes, les petits potes. Quitter la zone, on va appeler notre magnifique Inus. Ouais, le mec a pris la bounty en MK2. Ouais, t'es trop fort, Wilbur Walsh. Putain, ton gameplay. Ma parole, ton gameplay fait rêver, quoi. Prendre des bounty en MK2, quoi. Bon, je l'ai déjà fait, hein, donc je peux pas parler. Hein. Je vais refermer ma gueule. Attends, on quitte la zone. Quoi, que 452 000? Ah, parce que la session s'est vidée, peut-être, non? Ah non, ça m'arrange pas du tout, frérot. Bon, c'est pas grave. Elle aime ma voiture, elle a dit. Tu m'étonnes. T'en vois pas souvent dans Los Santos des voitures comme ça. Avec la tenue qui va avec, en plus. Et ouais. Bon, allez, customisation de la moto d'acide, puisque du coup, on va se retrancher sur ce business. Étant donné que Rockstar n'est pas très généreux en ce moment, nous, ça va être acide, boîte de nuit, hein. Ça va être vite fait. Voilà, enlève-moi ce casque pourri. Salut, je viens custom la moto d'acide. What? Je peux pas lui parler à ce Gugus. Mais putain, mais pourquoi je peux pas lui parler? Ah, faut renvoyer son camion d'acide peut-être. Voilà, labo d'acide moto. Personnaliser la moto. Alors, le blindage, on le met à fond. Protection de courroie, on met pas. Frein à fond, moteur à fond. Échappement, on s'en fout pour le moment. Roue, pneu. À l'épreuve des balles, c'est déjà fait. L'apparence des pneus, pour le moment, on s'en fout. Turbo, on le met. Transmission à fond. Motif. Ouais, ça fait grave paradise tout ça. Ouais, j'aime bien celui-là. Oh, celui-là, il est nice aussi. Hein. Style années 90, c'est pour nous ça. J'ai envie de mettre un bleu ultra. Le bleu ultra, il est vraiment magnifique. Ouais, le bleu ultra est incroyable. Sinon, un caméléon, j'aurais pu mettre. Ouais, elle est pas mal comme ça. Elle est pas mal comme ça. Comme ça aussi. Hein. Oh, j'aime bien. Après, leur perle prismatique noire, j'ai le coup de cœur. Et ça, on va le mettre en bleu ultra. Voilà. Elle est chimique, hein. Mais bon, ça va avec le thème. Hein. Je lui mets un petit klaxon d'eau. Petit éclairage, ça je m'en fous. Ah, rembourrage guidon, je mets. Réservoir. Je vais mettre des réservoirs parce que c'est plus réaliste, je trouve, d'avoir des sacoches pour dire on transporte l'acide. Ah bah, il y en a déjà à l'arrière, je suis teubé. On peut mettre une selle bleue. Couleur secondaire, nice. Le garde-boue de série est pas mal, mais le garde-boue épuré. Non, le garde-boue de série est très bien. Fourche avant. On va laisser. Non, quoique. Non, c'est très bien comme ça. Carénage. J'avoue, il est mieux celui-là. Carénage simplifié. Échappement. Oh, des échappements avec les pots colorés. Nice. Je mets. Moteur, c'est fait. Et ben voilà. Protection de courroie, est-ce qu'on met? Non. Non, on met pas. Et ben, je vais prendre la moto et je vais monter dessus pour la tester un petit peu. Par contre, le casque, ça m'enquiquine un peu. Casque carré, il est pas mal celui-là. C'est bugué les casques, les gars, faut toujours le rechanger. Ouais, celui-là est déjà mieux. Ben me voilà heureux les gars. On est dans le thème de la saison, ça fait plaisir. Bon, ça manque de troll un peu là. J'aurais pu troller un petit gars d'ailleurs. D'ailleurs, pour terminer, on va aller troller les deux mecs qui font des vêtements là. Let's go. En claquette chaussette. Oh, et un mort. Oh le bâtard. Oh le bâtard, il était bien à couvert. Oh merde, le troll a fail. Moi j'en ai trollé un sur deux. Il détruit ma moto d'acide frérot, y'a rien dedans. What? C'est TP. Oh non frérot, t'abuses. Putain, arrêtez de vous TP quoi. C'est quand même dingue dans un jeu de pas accepter les fights normales quoi, merde. Mais ouais, toi t'es mort. Toi je t'aurais eu deux fois au moins. Faut que je change la couleur du Sparrow aussi, on va mettre un pink.
Vous avez vu, c'est stylé avec les lunettes, on voit la vie en rose. Non mais c'est trop stylé, ça rend les couleurs plus belles. Je suis content de mon achat. Toi, oh, tu vas mourir. Ah, il fait le... Il ferait pas le bureau des... Oh, il fait des matières premières. Ah, j'ai... Non, c'est pas des matières premières, ça. Ah, il y a une MK2 qui va me foncer dessus. Ah, il fait le... Il fait l'ouverture du cannabis. Olé, 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 toro, toro, toro. Il a de la chance, on va pas le troller finalement. Il a de la chance pour le moment. Oh. Sautons, sautons, on est loqué, on est loqué. Oh, il a de la chance. Ah non, je l'ai tué. Fuse Infinity. Oh, je suis désolé, frérot. J'avais pas vu à la base que t'étais des matières premières. Mais bon, j'avais dit que je trollerais pas aujourd'hui, c'est mal. Attends, il y a une MK2 là, il y a moyen, hein, vas-y. Avec le fusil, je vais peut-être pouvoir vous montrer comment. Ah, il prend sa MK2. Oh, le bâtard. Il va vouloir m'enchaîner, c'est sûr. C'est nice, ça m'arrange. Je vais pouvoir tester mon nouveau fusil. Oh, bah non, il se barre. Putain de bus! Mais putain, c'est pas normal que les mecs en une balle dans le... Ah, voilà, on a eu une MK2. Bon, c'était pas de la même manière que... Oh là là, l'épisode, il part en cacahuète. Oh, le bâtard, c'est un savage. Bon, il fume déjà. Oh, je me fais un peu humilier, là. Hein. T'inquiète pas, mon ami. Reviens. Elle est pas passée loin, celle-là. Elle est pas passée loin, celle-là. Je l'ai pas eu, là. Oh, arrête, elle est passée à 1 mètre de son savage. T'abuses, frérot, t'abuses. Bah alors, putain. Oh, la chance, tu... la chance que t'as, frérot. Ah, il y a l'autre qui est revenu me... Ah bah, dans cette session, je peux pas troller. Hein. Toute la terre se met contre moi. Voilà, sois pas neuneux non plus. Wilbur Walsh. Il y en a un qui m'a reconnu par contre. Oh, je l'ai eu avec la grenade. Petit spam de noob, mais spam quand même. Qu'est-ce qu'il veut lui? Allez, on suicide. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode. Moi, j'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, je me suis amusé. Ça fait du bien de chillax un petit peu comme ça. D'être un peu en vacances, un peu. Voilà. Dommage, j'ai pas pu vous montrer le lock du... Je t'aime, frérot, NDR. Bon, bah, je vais lui répondre merci. Voilà, je lui ai répondu merci. Voilà, les gars. Moi, je vais boire un verre au vanilla avec ma nouvelle tenue. Et surtout, n'oubliez pas, on s'appelle, hein, la bise. Putain, j'ai de plus en plus des voix de con pour la fin.